Dans la 34e vidéo, on va parler de manque de connaissances sexuelles. On va prendre conscience de notre manque de connaissances sexuelles. Et précisons-le, OK? Si on ne parle que de connaissances du corps, hein, c'est pas très long. Il n'y a pas énormément de choses à apprendre. Mais vu qu'on considère qu'on est cœur, corps et esprit, là, ça commence à multiplier les possibilités, ça devient beaucoup plus complexe et plus nuancé et on a absolument besoin d'apprendre beaucoup plus de choses, avoir plus de connaissances, de les développer. Moi, il fut un temps où je pensais ne pas avoir besoin de m'instruire sur la sexualité. Après tout, hein, mon corps savait très bien ce qu'il avait besoin. C'était vrai un temps. Tant que j'ai eu à ne penser qu'à moi, tant que dans mon petit univers, je n'avais pas à me soucier du reste. Mais avec l'avenue du conjoint, des enfants, du stress, du travail, de la routine, du quotidien, de tout ça, je me suis rendu compte que j'avais besoin de mieux me comprendre pour être mieux dans mon corps et ma sexualité. Parce que tout ça, ça a de l'interaction ensemble, hein. Cette prise de conscience-là, elle a débuté, en fait, lorsque j'ai commencé à m'éduquer, mais pas pour moi, et m'instruire pour aider les autres avec leur sexualité. Lorsque j'ai ouvert ma boutique, ben oui, c'est toujours plus facile de le voir chez les autres que de le voir chez soi. J'étais fascinée par toutes ces questions puis toutes ces situations différentes que pouvaient rencontrer les gens, la clientèle. Je me suis rapidement posé des questions sur moi, sur ma propre réalité. Puis j'ai compris que la connaissance, c'était essentiel à la transformation de mes croyances, de mes préjugés. Puis si vous pensez que vous n'avez pas de préjugés, que vous n'avez pas de croyances, on est fait de ça. Il y en a tellement, tellement, tellement. Puis c'est pas parce qu'on est ouvert, on est open, en tout cas qu'on se dit ouvert, qu'on n'a pas de préjugés, ils sont juste différents. Nos croyances sont différentes, point à la ligne. Lorsque on n'a que notre propre bagage comme expérience, on se croit seul au monde. Hein? Puis le fait d'être confronté à plusieurs autres réalités va nous confondre dans nos convictions puis nos croyances. Ça, c'est fantastique, ça. On se rend alors compte, hein, qu'on connaît vraiment pas grand-chose. Quand on dit « je sais tout, j'ai tout fait, j'ai tout vu », c'est précisément parce qu'on a encore des œillères qui sont bien refermées. Moi, je considère aujourd'hui, après 28 ans dans le domaine, ouais, que je sais pas tout, que je suis loin de tout connaître sur le sujet. Il y en a tellement à apprendre encore et c'est fascinant. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment tout connaître? Je pense que ce qui est important, c'est de me connaître moi, c'est d'apprendre à se connaître, connaître qui nous sommes, comment est-ce qu'on fonctionne, hein? Comment moi je réagis selon mon histoire de vie, selon mes blessures, selon mon fonctionnement. Tout ça est interrelié. En attendant, je vais vous inviter à aller visionner les vidéos sous les liens ici que j'ai mis en dessous, sous la vidéo, qui sont des vidéos de présentation, soit pour l'homme, soit pour la femme, ou le webinaire, pour avoir plus d'informations en ce qui concerne monter au 7e ciel. Et je vous dis, je vous aime. Bye bye. Et à demain pour l'ouverture officielle.